Bonjour à tous, bienvenue du challenge 66 by Sarah. Donc 10 minutes de sport par jour pendant 66 jours et aujourd'hui, je vous ai préparé une séance spéciale. Donc on va démarrer tout de suite, vous avez besoin d'une tenue de sport, éventuellement une bouteille d'eau et encore pour 10 minutes, on va tout enchaîner donc ce ne sera pas nécessaire. On va là écarter les jambes, ouvrir les pieds et on va partir sur un squat sumo. Là on descend bien. Le dos droit et 1, 2, 3, tirez les épaules vers l'arrière, 4, 5, 6, allez encore, 7, 8, 9 et 10. On va rester ici, on va fixer, on garde toujours le dos droit, on tire les épaules vers l'arrière et là, 10 petits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte, relâchez un petit peu les jambes et on va refaire une deuxième fois cette série. Allez, on ouvre, là, tout de suite, on enchaîne et là, on descend. 1, toujours le dos droit, 2, grandissez-vous, 3, 4, 5, allez encore, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste fixe ici là pour 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, on s'accroche, 6, toujours le dos droit, épaule en arrière, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. On va reprendre cette position, là, la même. Et cette fois, je vais vous demander de monter en pointe de pied. On va travailler là sur les mollets. 1, on trouve bien l'équilibre là. 2, 3, 4, toujours le dos droit. 5, 6, 7, allez encore. 8, 9 et 10. On relâche et on va faire une deuxième série. Semblable à celle-là, on relâche tout de suite, on se replace, là on ouvre, on descend et pointe de pied. 1, 2, 3, on se grandit, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez relâcher, là on va enchaîner tout de suite, là par un travail toujours du bas et notamment des fessiers. On va descendre là, en latéral, toujours dos droit. 1, 2, on croise, on descend, buste droit. 3, 4, 5, 6, allez encore, 7, 8, 9, expirez en descendant. 10, on relâche, là on va sautiller, ici relâchez bien les jambes. Là, on va juste partir sur un talon-fesse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Relâchez. Et là, on touche ses chevilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. Là, prochain exercice. On va se mettre là, légèrement de côté, on va partir sur des fentes latérales. Donc, les mains aux hanches. Ici, on descend. Jambes bien droites, on fléchit. Et c'est parti. 1, 2, gardez le buste bien droit. 3, 4, 5, allez encore. 6, 7, 8, 9. Et 10. On se redresse, on change tout de suite de côté. Là, 1, 2, on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche et là, tout de suite, en pieds joints, relâchez les bras. On pousse bien vers le haut.
Allez, encore un peu. On relâche. Écartez. Serrez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche les jambes. On va repartir en écarté serré, sauf que cette fois, on va fléchir un peu plus. Là, 1, 2, 3, 4, toujours sur la pointe du pied. 5, 6, 7 et 8. Relâchez. Prochain, on va faire un militaire. Donc là, je démarre debout, genou, genou. Et là, je remonte toujours jambe droite pour l'instant. Là, dos droit. Et on continue. Relâchez les mains, vous les placez un peu comme vous voulez. Pour l'instant, c'est jambe droite qui descend, jambe droite qui monte. Allez, encore. 3, 2, 1. Ok, on se redresse et là, on va descendre ici en squat complet. Là, les genoux vers l'extérieur, le dos droit. 2, 3, allez, encore. 4, genoux vers l'extérieur toujours. 5, tire les fesses vers l'arrière. 7, 8, encore. 9, tirez les épaules en arrière. 10, ok, on reprend le militaire et cette fois, jambe gauche qui descend, jambe gauche qui monte. Allez, 1, 2, garde le dos droit. 3, 4, encore. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte tout de suite et on repart sur nos 10 squats. Là, genou vers l'extérieur. On appuie sur les talons. Là, 1, 2, le dos bien droit. 3, tirez les fesses en arrière. 4, comme si on allait poser sur ses fesses sur une chaise. 5, 6, allez encore, 7, 8, on continue, 9 et 10, on relâche, on sautille tout de suite et là on vient chercher ses chevilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, relâchez, là, montez de genoux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on pose. Prochain exercice, un exercice de prévention, notamment pour toutes les blessures liées aux genoux. Donc ici, on va écarter les jambes, largeur bassin, fléchir, je me mets au profil pour que vous puissiez mieux voir et là on va. Tente jambe devant, talon, et on va chercher loin derrière. La jambe d'appui est toujours bien fléchie. Allez, 1, 2, le dos droit, 3, 4, on est bien dans l'appui, 5, la jambe est fléchie, 6, 7, 8, allez encore, 9 et 10. On change tout de suite de côté. Là, pareil, je fléchis bien sur les jambes. Et là, 1, je vais chercher loin derrière, loin devant. 2, 3, ma jambe d'appui est bien solide. 3, 4, dos droit. 5, 6, les épaules en arrière. 7, 8, 9 et 10. On relâche. Là, on relâche bien les jambes. Là, on va partir ici sur un squat jump. 1, 2, le dos droit. 3, 4, 5, on est sur la pointe des pieds. 6, 7, on a les genoux vers l'extérieur, 8, 9 et 10, relâchez, là, et on va partir sur une petite montée de genoux maintenant, allez, pour 10, 1, 2, 3, tirez bien sur les bras, 4, 5, 6, allez encore, 7, on arrive au bout de nos 10 minutes, 8, 9 et 10, on relâche, et là, pour le dernier, petit squat, je serre les pieds et je décale. Allez, 1, 2, on tire les fesses en arrière, 3, 4, on vient s'asseoir, 5, 6, allez encore, 7, 8, 9
Là, et le tout dernier exercice, là, on va se mettre en fente. Ici, on a le genou qui ne dépasse pas la pointe de pied. On descend l'autre genou à ras du sol, angle droit devant, angle droit derrière, et là. 1, 2, le dos droit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on pivote, et ce sera le dernier, on va jusqu'au bout. Allez, on s'accroche, là, réfléchis bien, angle droit, on a le genou qui ne dépasse pas, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà pour aujourd'hui. Bon, merci à vous d'avoir suivi la séance. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à la partager, hein, je vous le dis assez souvent. Si vous avez aimé, et puis si vous n'avez pas aimé non plus, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire un peu où vous en êtes, ce que vous avez ressenti. Si vous débutez le challenge et si vous êtes toujours motivé pour les 60 séances qui nous restent, en tout cas, moi, je serai là tous les jours pour 10 minutes de renforcement musculaire avec vous. Donc, je vous souhaite à tous une belle soirée si vous faites la séance en soirée, une belle journée si vous avez pris la décision de le faire plus tôt le matin. Et je vous dis à demain pour la 7e séance du Challenge 66 by Sarah. Donc, n'hésitez pas à, comme je vous dis, partager à des personnes qui seraient intéressées par l'envie de se challenger, d'être un peu motivée. Je crois que c'est 10 minutes, vous l'avez vu, hein, ça travaille, c'est court, c'est efficace. Et le fait d'être régulier, ça permet vraiment d'avoir un peu de résultats. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire, c'est peut-être un peu trop tôt là, puisqu'on n'est qu'à 6 séances, mais à me dire si vous sentez un progrès, si vous vous sentez fatigué, si vous avez déjà beaucoup de courbatures, si le niveau est trop dur, pas assez. Voilà, ça me permettra aussi d'ajuster sur les prochaines séances. À très bientôt et merci encore d'avoir suivi et baladez-vous sur ma chaîne. Vous verrez, il y a plein d'autres séances si vous avez besoin de vous concocter un petit programme d'entraînement. Voilà, à demain.